Mais c'est quoi un homme stylé pour Dior? Dès le début de la maison, Christian Dior révolutionne le genre. On veut quitter l'austérité de l'après-guerre, alors il habille ses femmes fleurs, de jupes longues, de robes somptueuses et cintre leur taille. En 2001, le new look se fait masculin. Eddie Slimane fait de l'homme Dior un mélange entre Pete Doherty et les bébés brunes. Il le pime de gants en cuir, de cravates ultra fines, de pantalons plus que skinny et de mèches rebelles. Le belge Chris Van Asch délaisse un peu le côté rock pour réinventer le costume qui se fait plus urbain et minimaliste. L'homme Dior mise donc sur les accessoires et les dad shoes pour électriser son look. L'homme de Kim Jones, quant à lui, porte des baskets montantes imprimées, des blazers à deux cols et des mini sacs à l'épaule. Et pour son dernier show, celui qui est surnommé le roi des collaborations semble nous dire que si vous n'avez pas ça, ça, ça ou encore ça dans votre armoire, revenez demain et on vous réexplique. Colmini.